tous et à toutes mes petits cagettes, c'est Cage et bienvenue pour le 12e épisode de votre Let's Play sur The Last of Us. Nous avons perdu nos deux compagnons qui nous ont accompagnés pendant à peu près deux épisodes, Sam et Henry. L'un s'est fait mordre par les claqueurs et s'est transformé et a été tué par son grand frère qui s'est suicidé devant nos yeux. On continue. Ça fait du mal, mais c'est comme ça. On continue. On est bientôt peut-être arrivé pas très loin de là où est le frère de Joël. C'est parti. Je vais regarder si on peut faire des trucs ou pas. Alors, on peut faire... Bon, on peut faire une arme de mêlée. Ah. Alors, on va faire... On va faire ça. On va faire ça. Et après on fera stabilité de l'arme. Viens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Un soin, parfait. Il s'est passé quoi entre vous? Comment ça? Ouais, en tout cas, c'est assez chaud quand même. Hein. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on était bon, pas si on saute, on meurt. Ah, nous y voilà. Quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je veux plus jamais revoir ta sale tronche. » Eh ben... Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Allez, on continue. Espérons qu'on y arrive. Donc on a perdu Tess, on a perdu Henry, on a perdu Sam. Sam c'était le plus grand, Henry c'était le plus grand, Sam c'était le petit. Tess, bon c'était peut-être sa meuf. Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Voilà. Bah écoute, on va te montrer. Bah ça veut pas. D'accord, en fait il fallait... Ok. Bah ça veut pas. Allez. Ah bah t'inquiète pas, c'est ce que je vais aller faire. Je pense qu'il faut passer par... Par ce pont là? Ça m'étonnerait mais... On va tester quelque chose. Je pense pas que ce soit ça mais... On peut pas monter sur ce tronc d'arbre, non. Bon, bah je pense qu'il faut passer par le pont. Donc il faut remonter. Ah non, 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 pas du tout. Ok, on peut pas passer par là, alors. Soit il faut continuer, soit il y a un truc qui fait que on peut passer, je ne sais pas comment. Putain, Joël, il a une course. Alors, quand c'est les claqueurs, il a 1000 à l'heure.
Mais quand c'est les... Quand c'est... Comment dire? Quand c'est pour nous, alors là... Même mon papy, il va plus vite, hein. Ah, bah attends, j'avais même pas vu qu'il y avait ça, là. Reste ici. Ah, d'accord. Donc faut que j'aille chercher sûrement une planche de bois, une connerie de ce genre. Alors, il faut qu'on arrive à monter. Est-ce qu'on peut monter par là ou pas? Ah non, il faut qu'on lui trouve une planche en bois. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est la planche. Alors, il faut remonter. J'ai trouvé. Donc il faut aller dans cette maison. Oula, non, on va remonter. Remonte. Mais non, il va s'étouffer ce con. Allez. Ouh, c'était juste. Il y a la planche, mais il faut que je la décoince, il faut que je passe par au-dessous. Il a récupéré, parfait. Allez. Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Voilà, votre... Votre transport est servi, mademoiselle. Calme-toi. Je suis pas le meilleur conducteur de radeau du monde, hein. Attends, je vais te faire un 3-6, t'es prête? 3-6. T'as vu ça, Joël? T'as vu ça, Ellie? Joël fait des 3-6, avec des palettes. Je pense qu'il faut que je la mette ici. Non, c'est pas là. Ça doit être par là. Tiens. Allez, vas-y, tourne. C'est bon? Ok, bon. On y retourne. Fais gaffe en traversant. Mais oui. Allez. Et du coup, on peut passer. Quelle équipe. Tapement 5. Ouais. Allez. Je sais, moi après aussi. Avoir pu aller chercher ta planche, on y go. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Est-ce qu'on entre? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Attends, il y a un tracteur. Non, je pense pas.
Passons par la centrale, de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre choix surtout. Hein? Oh, un fusil, oh là là. Un Magnum Sniper. El Diablo. Le diable. Alors, carte de la centrale électrique. Donc nous sommes à North Teton Dam. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne! Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh merde. Comment tu vas, petit frère? Oh putain! Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est. C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. Alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, j'en reviens. Je suis électricien, oui, si jamais... Enfin, déjà dans le jeu. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Bonjour. Vous... Ouais. Comment vous vous appelez? Bonjour. Merci, Tommy. Pas de problème. Vous n'êtes pas très bavard, monsieur. Putain... Maria, tu peux leur dire d'être un peu plus sympa, parce que bon. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. Ah. On va Vas-y. Se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures. Belle bête, hein? D'accord. Mais n'en fais pas. Il y a à manger là. Non, je déconne. Je rigole. Maria! Ouais, allez-y. On est dans le sac de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, j'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé.
Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. On aurait dit vraiment Nathan Drake. Hein. Je pense que Nathan et tout ça, ils ont dû prendre la même personne. Ils ont dû juste un peu plus gonfler, on va dire, Joël. Mais les deux se ressemblent. Après, j'ai envie de vous dire, les deux jeux, c'est la même mécanique, tout ça, etc. Mais c'est deux excellents jeux. Donc j'ai envie de dire, même s'ils recopient, tant que c'est bon, on s'en fout. Attends, je vais faire... parce que ton frère est devenu fouilleur professionnel. Une table de craft. Ou pas. Alors. Ah bah parfait. Un deuxième soin. Et on va augmenter... qu'est-ce que je voulais augmenter? C'était la vitesse de son ou le temps de confection? Non, c'était la stabilité de l'arme. Donc pour l'instant, non. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas ce que tu sais, mais une boîte. Voilà. On compte plus de 20 familles. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit. Écoute, Tommy, on sait que ce mode de vie était mort et enterré. Et niveau sécurité, les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand ça marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein. Comme partout. Ouais, vous avez créé une vie dans une vie, quoi. C'est peut-être pas obligé. Comme Marlène. D'accord. Salut toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Mais j'aime bien l'avoir ici. Salut Buckley. Les génies vont nous remettre la centrale sur pied. Ça va, la pêche, la patate. Je crois que c'est la bonne cette fois. Oh, ça va, t'as l'air de pas trop t'emmerder. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok, disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. C'est parti. Ok, pas de soucis. Je craft. Alors on a 18, on n'a pas grand chose. Ah ouais, on va faire ça. Parce que je pense que je vais utiliser le shorty, le El Diablo et le revolver de base. Ah, fumigène amélioré, ça dure 10 secondes de plus. Parfait. Un truc que j'avais un petit peu... ridiculisé ou sous-estimé et qui se trouve très efficace le fumigène, surtout avec les les claqueurs. Voilà, c'est bon, Tommy est là, on peut y aller. C'est bon. Prêt. Vas-y, démarre. C'est parti. Tommy, tu m'as montré comment ils font un truc ou... Et 10 secondes après, tu entends clac 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 clac, blablabla, ça marche plus. Tu l'as dit. Allons en discuter. Belle sœur, ça marche. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine.
Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, oh, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi ! Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non ? Ouais. Merde ! Des bandits ! Arrêtez-les ! Ne les laissez pas entrer ! Retrouvaille... Retrouvaille entre frères qui a mal tourné. On peut dire ça comme ça. Ah d'accord. Okay. Mais ils sont où? Ah il est là-haut. Je vais tuer les gars. Attends. En même temps si vous êtes restés dessus vous êtes cons quoi. Bon par contre, j'ai rushé comme un thug et je sais pas viser. Oh putain. Merci. Viens, 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 viens. Vous voyez quelque chose ? Il y en a encore ou pas ? Oui, il y en a encore. Des bandits, ils entrent dans le bâtiment. Mort-toi. Vous pouvez sortir ? Non, on est coincés. Ils sont là, Ellie, cache-toi. Ils sont où ? Ah, attends. Je prends la hache. Ok. Allez, monte la tête, t'es mort. Enfin, il est mort si je suis visé. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, là il est mort. Sauf que là, maintenant, je n'ai plus rien. Allez, recharge. Il est mort. Ça meurt jamais, ces mecs-là ou... Ok, il y en a derrière. Ah, lui, le snipe, par contre.
Ah, barbecue. Dis-moi qu'ils ont des munes. Pas de munes. Pas de munes. Pas de munes. Oh, si. 6 à pompe. 6 de fusil à pompe. Par contre, c'est... Bibi, il est chargé, hein. Faut mourir. Bon, toi, c'est la dernière fois que tu tires, ok? Il y en a un là-haut. Ok, il a lâché des lunes. Calme. Hey, petit frère, j'ai tiré encore. Sors ta tête, t'es mort. Hein. Elle est pas mort? Mais non, mais c'est une blague. Ça va? Ouais, ça va. Joël! Oh merde! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois! Et puis Maria a dit: écoute, il faut courir! Alors, on a plongé derrière cette table, calme et les géants toi, calme-toi, écoute! Hé, hey, hé, hey, tu es blessé! Non! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question! Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre! Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois, un seul. Un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où? Viens! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement. Faites attention. Là. Ouais. Tu vois ces traces? Allez, on va prendre Jean-Michel. Un étalon noir qui a couru des courses épiques. On va la trouver, t'inquiète. Notamment la quatrième. À Paris-Vincennes. Allez, c'est parti. Ah ok, il faut appuyer. Okay. Un coup et deux coups pour qu'il aille plus vite. Le saut. Oh joli. Il a fait aussi du saut d'obstacle. Je sais pas moi non plus. Elle est pas passée par là. Mais c'est pas normal. Ils se sont retrouvés, ils s'aimaient. Des traces.
Donc si elle va passer par là, elle est passée... Ok, par là. Bah ouais. Là, d'autres traces. Ok. Oh, mais me dis pas qu'elle s'est foutue au fond d'un truc, quoi. Oh là là. Ellie. Combien t'en vois ? Il y en a beaucoup trop. Non, c'est fini. Elle s'est foutue dans ça ? Il est pas mort ? Mais il faut combien de balles pour les tuer, c'est con ? Oh putain. Hein ? Oh putain, merde. Je t'avais pas vu, mon ami. Alors, il est où ? Il est là. Il y en a un deuxième. Voilà. Hop là. Oh, oh, tout doux. Tommy, je sais que t'es invincible, mais aide-moi un peu. Ah mais t'es là ! Il fallait dire qu'il est... Ouh là là. Il porte bien son nom, Del Diablo. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes. Bon, il y a longtemps qu'on serait mort. Est-ce qu'on peut faire des soins? Oui. Et on peut en faire deux. Et ça, c'est ça que c'est bon. Bon. C'est la carte de quoi, ça? On sait pas ce que c'est. Hop. Le problème, c'est qu'elle est passée pas... On peut reprendre les chevaux ou pas? On peut reprendre le cheval ou pas du tout? Non, il a décampé. Ok. Bon, bah, petit frère, on y go. Je sais pas qu'il y avait encore du monde en vie, moi. D'accord, je l'ai même pas vu. On peut pas passer par là, donc on peut passer que de l'autre côté. Putain, mais elle est passée où, là, Ellie, là? Oh là là. Fait capturer par quelqu'un ou quoi? Si on peut pas passer par là, on peut passer par où? Alors, soin.
Bon, vous savez quoi? On va se laisser ici. Oui. Vous inquiétez pas, on va retrouver Ellie. En tout cas, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros like possible, ça me fera un plaisir de ouf. Et ça fait un soutien de dingo. La cloche de notif, comme ça tu vas rien louper de toutes mes vidéos, de mon actualité, tout ça, il n'y a aucun souci. Mes réseaux sociaux sont en bas de la description. C'était Cage, mes petits cagettes. Bisous, à bientôt. Bye!